toutes les amis, c'est Mega Samir qui vous parlait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle astuce sur Pokémon version épée spéciale DLC, Isole Armure. Alors, je vais vous montrer, comme le titre de la vidéo l'indique, comment avoir donc les formes d'Alola sur cette version. Alors, c'est tout simple. En gros, vous vous souvenez qu'au début du DLC, il y avait un événement, une mission en fait, et cette mission, il fallait récupérer tous les toupiqueurs d'Alola dans ce DLC. Une fois que c'est fait, et même pas une fois que c'est fait, selon certains critères, on va dire ça comme ça, une fois que vous avez par exemple 10 toupiqueurs d'Alola, 20 toupiqueurs d'Alola, etc., etc., vous récupérez certaines formes d'Alola. Certaines, je dis bien certaines, parce que j'en ai récupéré qu'une et je ne sais pas si on les récupère toutes. Donc, moi je me suis rendu tout simplement sur la plaine Salutation, comme ça, en random, pour voir combien de toupiqueurs j'avais. Alors je cours, là, hop, et je vais voir ce monsieur. Vous voyez, c'est simple, il est devant le dojo. Hop, et ensuite je lui parle. Tiens, te revoici. Grâce à toi, j'ai retrouvé 10 toupiqueurs de plus. Jusqu'ici, tu as retrouvé 33 toupiqueurs. Il en reste encore 118 à trouver. Tu as déjà retrouvé au moins 10 toupiqueurs. C'est bien, continue comme ça. Tiens, accepte ce Pokémon en gage de ma reconnaissance. C'est un Pokémon qui vient d'Alola, comme mes toupiqueurs. Et j'ai donc un Ramolos. Un Ramolos d'Alola. Ok, si tu veux. Non. Alors là, vous voyez, Roche Royale l'a envoyé dans le PC... Ranger, hop. Je t'offrirai quelque chose pour te remercier lorsque tu auras trouvé 20 toupiqueurs en tout. Donc on peut récupérer encore 2 Pokémon. Donc là, c'est complètement de la surprise parce que je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il va nous donner après. Tiens, te revoici. Jusqu'ici, tu as retrouvé 33 toupiqueurs. Il en reste encore 118 à trouver. Tu as déjà trouvé au moins 20 toupiqueurs. C'est bien, continue comme ça. Tiens, accepte ce Pokémon en gage de ma reconnaissance. C'est un Pokémon qui vient d'Alola comme mes toupiqueurs. J'ai donc un Goopix. Ok, nouvelle forme d'Alola, Goopix. Je t'offrirai quelque chose pour te remercier lorsque tu as retrouvé 30 toupiqueurs en tout. J'imagine qu'à la fin, il va nous donner des Pokémon de plus en plus puissants. Ok. Un Sabelette. Donc, les gens, voilà comment on peut récupérer certaines formes d'Alola. Il m'en reste encore 7, mais je doute que je puisse trouver 7 toupiqueurs dans la foulée, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais faire une pause, et après je vous retrouve pour le quatrième. Ok, les gens, donc on se retrouve après quelques heures de recherche. J'ai fini les toupiqueurs, pour vous dire, de la grotte du Pugilat. Et entre-temps, je vous ai pas dit, mais le premier Pokémon que vous recevez quand vous avez fait... donc, vous avez eu 10 toupiqueurs... C'est le Meowth d'Alola qui se trouve ici. Hop. Je vais vous le montrer quand même. Le Meowth le plus classe du monde. Voilà. Après, je ne sais pas s'ils ont de bons IV, de bons EV. À vous de me le dire dans l'espace commentaire, si vous connaissez la strat. Mais bon, là, vu qu'on a récupéré quelques nouveaux toupiqueurs, on va voir quel Pokémon il va nous donner. Tiens, te revoici, grâce à toi, j'ai trouvé 12 toupiqueurs de plus. Jusqu'ici, tu as retrouvé 45 toupiqueurs. Il en reste encore 106 à trouver. Tu as déjà trouvé au moins 40 toupiqueurs. C'est bien, continue comme ça. Tiens, accepte ce Pokémon en gage de ma reconnaissance. C'est un Pokémon qui vient d'Alola comme mes toupiqueurs. J'ai un Raichu. Yes! Alors, on va juste voir de quel niveau il est. Je t'offrirai quelque chose pour te remercier lorsque tu auras trouvé... Retrouver 50 toupiqueurs et tout. Je croyais de revenir niveau 25 minimum. Niveau 30. Bon, il a des stats pas ouf, hein, quand même. Hein. Surf Caudal. Ok. Bon, les gens, on va s'arrêter là pour cette nouvelle astuce de Pokémon version épée spéciale DLC ISO l'armure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire ce que je vous ai posé comme question, s'ils ont de bons IV ou EV. Et nous, on se retrouve dès demain ou dans quelques minutes pour la suite des aventures. C'était Mega Samir. Bye tout le monde.